comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Maman Brigitte? C'est quoi ce pseudo? On dirait un truc de secte. J'ai pas eu le plaisir de lui demander des explications. Mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Je doute que ça ait un rapport avec la religion. Les Voodoo Boys adaptent leur héritage haïtien assez librement. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner et essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. J'ai un truc qui vole. Vraiment? Tu veux vendre un truc au VDB? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut, leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Salut V. Le NCPD a reçu un appel à propos d'un cyberpsycho. Pour une fois, ils ont envoyé une patrouille. Seulement voilà, ça fait quelques heures qu'ils répondent plus. Alors soit ils sont partis en courant, soit... Enfin bref, tu veux bien aller vérifier pour moi? Merci d'avance. Qu'est-ce qu'on fait? Victor, t'as eu quoi? On les fracasse, on traîne les corps à l'intérieur? Yeah. Je te l'ai dit, qui compte à l'afterlife. Est-ce que ça roule? Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout perdu, tu le sais. Et c'est je ta le faute. Redis tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes. Et nettoyer ta mère. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Frog, faut que je te parle. Non, c'est bon. C'est étrange. Ta tête me dit rien. C'est qui? M'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule tous dans un canapé à l'afterlife. T'essaies pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre, alors dis-lui la vérité. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais? Anders Hellman. Un ingénieur haut placé qui bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman. Tu peux me le localiser? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Ouais. Ensuite, Dexter de Shawn, Jackie Wells, T-Bug. Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Tu peux mettre ça sur le compte de la machine. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand il m'a battu sous ses yeux. Il connaissait les risques.
peut arriver un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens? Qui t'a perdu sur là? Johnny, quelque chose? Ah, t'as mené ta petite enquête, évidemment. Mais comme je dis toujours, les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Tu vois? Et si j'ai pas assez, bonne journée et casse-toi, c'est ça? Non, ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver. Ça devrait suffire. Repasse me voir demain. On discutera. Du boulot, ça vous intéresse? Je viens voir Rogue. Elle m'attend. Salut, Rogue, c'est encore moi. Du nouveau sur Hellman? Deux verres. Sois de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, sers-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Inix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Don Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tiant. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Et lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navie, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Emats, le chargement de la navie, déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP, transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. C'est quoi, la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça... C'est l'espace aérien de Night City. Impossible d'attaquer la navie sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navie de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Dirais que c'est ton jour de chance. Zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navie. Je connais, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes,
mais rapide. Et ce modèle a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu. Il y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone? Tu connais des mères qui collent au profil? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Pourquoi Paname devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Paname sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Allez, foutons le camp d'ici. Bonne chance. Qu'est-ce que je te sers? Tiens, accroche-toi encore un peu. Charge de carré. Ah! À la poisse! Oh, je vais gerber. Paname. Rogue m'a filé ton numéro. Je m'appelle V. Super. Alors, comment elle va me baiser la gueule cette fois? Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre. J'ai un boulot à te proposer. Génial. Mais je suis un peu débordée en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse, c'est ça? Tu veux les récupérer? Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche.
bossé ensemble, je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Même pas besoin de me présenter. Tu l'as déjà fait pour moi. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Je mange, je dors et je respire boulot. Souviens-t'en. À vos ordres, mon capitaine. Pendant que je te tiens, si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut, et pour pas cher. Donc tu viens me voir quand tu veux, ok? Salut. Paname. Tu dois être V. Elle est où, ma caisse? Aide-moi, et je te le dirai. Mais mon cul, ouais! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi? Dis-moi, où est ma caisse? Eh, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si t'y vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux? Je dois parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Y a qu'une navire. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêve. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok? Je sais pas. Je... Merde! Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où? Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où ? Une seconde, j'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle veut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hey, salut Buzz. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Buzz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Buzz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. C'est qui, ce Buzz? Il va pas nous causer d'ennui, j'espère. Boss, c'est un type réglo. C'est un Sixth Street. Tu roules pour les gangsters? Quoi, c'est interdit? Les punks des rues ont des trucs à transporter, et moi j'ai besoin de fric, comme tout le monde. Alors, on va où maintenant? Au camp des Aldes Caldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Tu sais... Moi aussi, j'ai roulé avec les nomades. Ah ouais? J'aurais jamais deviné. Ouais, le clan Backer à l'époque. Ça a pas fonctionné entre nous, alors j'ai fini à Night City. On dirait qu'on a un truc en commun, finalement. Ok, en route. Monte. Sympa, la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Ferme-la. Comment
Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi, tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la Navi? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue, elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! C'est quoi? On l'emmerde, Rogue. Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Parce que j'ai besoin de fric. La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffenshiv. Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça, la vérité. Regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde, moi aussi. Et c'est qui, ça? Mon babysitter. V, je te présente Scorpion et Mitch, de vieux amis. Salut, les gars. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Réalise que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici. Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. On a besoin de votre aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Raffens ont entubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait? Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider, là? Le vieux nous a dit de pas bouger, de remettre ses générateurs en marche. Et les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putains de générateurs? C'est encore une blague? On a vraiment besoin de vous. Pas cette fois. Ils ont besoin de nous, ici. Putain! J'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit? Vous en avez rien à foutre de moi! Madame. C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci, les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. T'as amené un nouveau... Saul est au courant? Ça, c'est pas tes affaires. Tu
peux me donner un coup de main? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? Paname? Tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis! Bon, j'y vais. Ouais, ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, V. Mets-la dans le coffre. On peut y aller. Monte. Ils étaient dans l'armée, tes potes? Scorpion et Mitch? Ouais, c'était les Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs? Ils tiennent à toi? Y'a quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Pas pour l'instant, mais... ça va peut-être pas tarder. Ok. Ok. On y est. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à accueillir les Raffen, et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est HS, y'a rien qui marche. Alors, t'as trouvé quelque chose? Rien, nada. T'as une révélation? Eh bah, les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un petit peu de jus. Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Alors on le rallume? On va vérifier le poste de transfo. Ça roule. J'ai trouvé les disjoncteurs! Ils sont à court de jus! T'inquiète! Redescends! J'ai une idée pour surprendre ces connards! Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo, d'accord? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et boum! Tout va s'allumer! Ça va être Noël! Tu vas la jouer classique? Une bonne vieille diversion? La meilleure technique. Primo, on sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Deuxio, on doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle son et lumière au croisement. Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse.
panneau a l'air en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi deux secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur, et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs, ok ? Et chef. Le tableau électrique est alimenté. Nova, on va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Maintenant, on attend. Surtout, t'oublie pas. Dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Et voilà. Dans ma sorne. Tu la vois ? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon ? Ça va. Merde. Ok, je te couvre. Faut tous les dégommer maintenant. Thank you.
chinoise. Facile à repérer. On pourrait tout couper d'ici, mais j'arrive pas à entrer, c'est fermé. Alors qui a allumé ? Peut-être passer par en haut. Ça se tente. Nord de la ville. N'attache pas trop à lui, hein. À moi. À toutes. Le volant. Ouais, ouais. Je laisse faire les pros. Enfin.
Alors ? Une vraie beauté, tu trouves pas ? Un vrai petit bijou, je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois ? On s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon ? T'as la marchandise ? T'as ta caisse ? J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Paname. Écoute, j'ai un plan. Je m'en fous. On voulait récupérer ta marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Six Street attendent des nouvelles et... Écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûr. On n'a qu'à s'occuper d'abord du deal avec les Six Street. On verra pour Nash plus tard. Plus tard ? C'est-à-dire ? Quand il saura ce qui s'est passé à Rocky Ridge ? Si on y va maintenant, on peut se le faire par surprise. Tu veux vraiment te pointer dans la planque des Raffen maintenant ? Avec la marchandise que tu viens de récupérer ? T'en fais pas pour la marchandise. V, je dois le faire. Tu comprends ça ? D'accord. Et il est où ce repère ? Il est pas très loin d'ici. Merci, V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Halles des Caldos, après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer ? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait ? Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je règle mes comptes. Alors, t'es prêt ? On va le pécho. Je
champion. Salut, Rogue. Paname. Qu'est-ce que tu disais, déjà? C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde? Nash est mort. Une merde de nettoyer. T'es contente? Et la marchandise des Sixprit? Compte pas sur Nash pour la livrer. Mais si tu me demandes gentiment, je pourrais peut-être t'aider. M'aider? J'ai déjà pris ma part, chérie. Mais merci, ça me touche. À vrai dire, je me demandais si t'arriverais à rester pro pendant que tu menais ta petite vendetta. Putain! Bien, on se tire d'ici.
Rogue est une vraie connasse, froide et aigrie. Je crois qu'elle a plus toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque ? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Panam, avant. Elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul. Salut, Boz. J'ai ta marchandise. Non, non, je te promets. Allez, faut qu'on se voit, au Sunset Motel. Je sais que tu déconnes pas. J'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va ? On va s'éclater. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque ? Non. Enfin, je crois pas. Salut, Buzz. Hey, Panam ! Comment va Nash ? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. Ah. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça ? Un petit extra ? On bosse ensemble. Tu changes de tchoum comme de chemise, toi. Tiens, de la marchandise premios. Hein ? C'est bon ? T'es satisfait ? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe. T'es valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ça s'est bien passé ? Là. On va s'en jeter, hein. Des Raffens éliminés, des Six Street satisfaits. Une belle journée pour Panam Palmer. La journée est pas finie. T'as encore le temps de me foutre en rogne. Oh, je vais gerber. Salut, Noah. Salut. C'était des nouveaux clients ou des nouveaux amis ? Je te laisse deviner. Ça roule pour toi ? Ces clowns te font encore chier ou pas ? Les Raffens ? Non. Ah, c'est trop. Tranquille. Ils reviendront, c'est sûr, mais on a vu pire par ici. Qu'est-ce que je te sers ? Viens t'asseoir. Brosef, 2. Alors, il y avait quoi dans ce paquet pour les streets ? T'as pas regardé ? Du baloperidol. Des médocs pour nos cyberpsychos. Ils les revendent ? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Et des charcudocs. Allez. Un con à ta sorte. Merci pour ton aide, partenaire. Je vais t'en reprendre une. Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. On va encore en entendre parler ? Ouais. Les chiffres, c'est comme les cafards. On s'en débarrasse jamais vraiment. Mais on devrait être tranquille un moment. Ils vont mettre un peu de temps à s'en remettre. Ok. Il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman ? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on
pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici, et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit, comme ça on n'attirera pas l'attention, ça te va? Peut-être qu'une chambre, ça suffirait. Bonne idée. Noah a installé deux lits dans chaque piole. Ce sera toujours ça d'économiser. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Et à quoi tu pensais, au juste? Bah, je suis content de t'avoir rencontré. Je me disais que... Je le suis aussi. Ça aurait pu être un carnage aujourd'hui. Mais grâce à toi, tout s'est bien passé. Alors, peut-être qu'on pourrait fêter ça, non? Ouais. On va fêter ça. Mais pas aujourd'hui. Je suis claqué. Noah, on va te prendre une piole, avec deux lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. Déjà le stress qui retombe. Je crois que je vais m'endormir à peine allongé. Tu ferais mieux de te reposer aussi. Ça fait commencer, là. J'en ai bien l'intention. Bonne nuit. Je m'appelle Dakota Smith. Si tu cherches du boulot dans le coin, c'est à moi qu'il faut demander. Tu roules avec quelle nation, Dakota? Avec les Aldes Kaldos. Mais je ne roule plus du tout. Moi, c'est V. J'ai roulé avec les Backers. Tu parles au passé, mais... T'es plus avec eux? Non, plus vraiment. Je vois. On se tient au jus, V. L'un de mes véhicules manquants pourrait être près de votre position actuelle. Compris. Vérifie juste la sus... T'as bien dormi? Ça peut aller. Alors, t'as trouvé un plan? Concernant Hellman? Eh ben, figure-toi que oui. Regarde ça. Vas-y, je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navie. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navie devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Une centrale EOS? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après? Après, on frappe. On balance une IEM à la navie. Ouais, évidemment. Dès que la navie sera à portée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi? Ça arrêtera les moteurs? Ça coupera tout,
y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de com. Tu t'avances pas un peu, là? On peut pas savoir si la navi survolera bien la centrale. Non, je sais. Mais c'est franchement pas un souci. Tu verras. Ça va secouer un peu, mais tu le regretteras pas, je t'assure. J'ai absolument tout prévu. Parfait. On y va. Super. Monte, s'appelle. La centrale, c'est à l'État ou à une corpo? Qu'est-ce que ça change? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein? Où t'es allé pêcher cette idée? Non, attends. Je reformule. Rog, Nash, les Raffles... Et fais gaffe à ce que tu dis. T'as me faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors, tu crois pas? Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies transporté? Parce que moi, j'ai dû me trimballer un vrai iguane une fois. Sérieux? Un iguane vivant? Ouais. Quelqu'un l'avait endormi et fourré dans une glacière. Je sais pas pourquoi, mais ce boulot m'a rapporté un max. Et toi? T'as mieux? Le directeur financier adjoint de Caucase. Wow. Égalité, je dirais. Mort. Dans le coffre. Ok, tu gagnes. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. Je me connecte comment, avec ma liaison perso? Tu vois un autre moyen? Fais gaffe au jack. Faut le secouer un peu des fois. Voilà, c'est fait. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Panam, voilà Johnny, en plein dans le trou du cul du monde. Ah, bien joué. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. J'ai un bioprocesseur dans le crâne. Il agit indépendamment de moi. Ça doit être pour ça qu'il apparaît dans ton diagnostic. Mm-hmm. Ok. Mais il enverra aucune donnée par ma liaison perso. T'en fais pas pour ta caisse. Ok, j'espère que tu vas rien bousiller. Allez, y a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Bien. Cible suivante, une seule balle. Ok, recommence. Une rafale plus longue. Parfait. Je crois que c'est bon. Non, pas trop mal, qu'est-ce que t'en dis? Alors, elle est où, cette centrale? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo. Attaquer une navette corpo. Enlever un enfoiré corpo. T'aimes le son du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc? Tu sais quoi? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. On pourrait bien s'entendre, finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves.
Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes ? Chacune reçoit des micro-ondes, des satellites en orbite, qui sont ensuite convertis en courant électrique. Mais il y en a tout le long de l'autoroute, de ces antennes. Ouais. Et c'est là que c'est malin. Elles sont reliées. Suffit qu'on plombe l'unité de récupération. Ça créera une réaction en chaîne et les antennes balanceront toute une IEM. La Navi va foncer comme une mouche dans une toile d'araignée. On n'aura qu'à déclencher l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, je ferai une dérivation pour le détonateur. T'auras qu'à surcharger le système. Surcharger le système ? Pas de soucis. Je commence quand ? Enfin, c'est pas trop compliqué, j'espère. Normalement, non. Suffit de pousser tous les réglages à fond. Tout au max et au-delà. Ok, pigé. Bon, et maintenant ? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la Navi. Ok. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une Navi ? À moi seul ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? La centrale, l'IEM, le système, les réseaux... T'as préparé un plan vraiment béton. Merci. Tout est dans la façon d'aborder les choses. Pour moi, c'est les triple E. C'est-à-dire ? Évaluer, échafauder, exécuter. Quelle que soit la mission, il faut faire les trois. D'abord, évaluer ce qu'on a et ce qu'on affronte. Le problème. Ensuite, on échafaude un plan en tenant compte de ces variables. On prend ce qu'on a, on trouve ce qu'il faut, on organise les choses, les gens. Et pour finir, on exécute le plan. C'est simple. Tu devrais en faire un t-shirt. 3E, c'est la formule magique pour avoir la belle vie. Avec une bière fraîche à l'occasion. Et si ça partait en couille ? Eh bah dans ce cas, tu ferais mieux d'assurer. Tu crois quand même pas que je vais faire tout le boulot à ta place, non ? Bah si. Pendant une seconde, j'y ai cru. J'étais pas croyable des fois. On y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système, et on dégage vite fait. Accroche-toi ! Ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prêt ! Ok. Je suis prêt. Des drones ! C'est bon, je m'en occupe. Dépêche ! Avant qu'ils nous touchent ! Et c'est tout ? Ouais. Si on se brouille. Trouve les commandes. Je connecte le détonateur. Grouille V. Allez un peu fort, Panam. Tu vas t'y en vivre. T'as vu ça ? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sapin de Noël. Tu voulais que j'y aille à fond, t'es servi. Ah, ouais. Bon, allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. Tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer et travailler... Je suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny ? Johnny ? Putain de merde. Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là. Bon, y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur, alors ? Il fonctionne ?
C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devrait avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance ? T'inquiète, j'ai un œil dessus. Alors à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait... Quoi ? On s'apprête à cracher un appareil de Gang Tao qui vaut plusieurs millions d'édits. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? On n'aura qu'une chance, Panam. Vaut mieux pas qu'on merde. T'inquiète. Je finis toujours ce que je commence. Eh, dis donc. Quoi ? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs... Y a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Mmh. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sortonne. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la Navi. Ouvre l'œil. La voilà, elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi prêt. Attends, encore une seconde. Vas-y. Boum. C'est parti. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Merde ! Oh putain ! Dans le mille ! Madame, les moteurs tournent toujours ! Putain, ils se tirent ! Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive ! Une petite seconde ! Madame, qu'est-ce que tu fais ? Perte de l'altitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va. On l'a eu. Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois ? Ouais, un pignon d'identifié, perte de l'altitude. Mitch ! Là, c'est là. Scorpion ! Qu'est-ce que tu fous ? Tu es mon générateur. Tu es, j'arrive dans pas long. La batterie Mitch devrait être réglée. Scorpion, c'est Panam. Approchez pas ta Navi. Je répète, approchez pas ta Navi. Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Gang Tao ! Attendez-moi ! Non, mieux ! Foutez le camp ! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas ! L'impulsion fait des interférences, merde ! Trois points sur le radar ! Des drones ? Ouais, prépare-toi. Ils veulent nous ralentir ! Ils peuvent toujours courir ! Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion ! Derrière cette colline. Oh, ça fait toujours un souci, moi. Oh, mais
Merde. Madame, ça va? Merde, ricochet. Tu peux continuer? C'est bon, t'inquiète. Je suis survivre. Et mon pote, t'es où? Eh oh, Scorpion! Continue de parler sur un canal ouvert. Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois. Mais sérieux, quoi. T'as un truc qui cloche, là. T'as entendu ces tirs? V, il leur est arrivé quelque chose. Viens, on va voir. Je vois les baves. Mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch. Périmé, on dirait. Tant pis. V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère. C'est parti. Tu te connectes à la caméra? Ouais. V, s'ils ont eu les Aldecaldos, s'ils ont eu Mitch et Scorpion, je pourrais pas... Je sais. Je suis connecté. J'ai le contrôle. Système de défense activé. Ils ont sécurisé la zone. Ils attendent des renforts. Merde! V, ça se présente assez mal. Sale rat de corpo. Mitch! Il est vivant! Ils les ont capturés! Explosera la tronche si on approche trop. Et y a pas moyen de le détruire? Peut-être. Mais faut déjà l'atteindre. Non, non, non. Désolé. C'est ton clan? T'en fais pas, on est sûr de rien. J'ai 5 Kang en patrouille. Ça, ces putains d'interférences, j'aurais pu les prévenir. Tout ça, c'est ma faute. Mais pourquoi ils suivaient la navette, putain? Quels abrutis! Ils gardent sûrement Hellman dans la navette. Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Oh, t'as déjà bien morflé! Dis pas de conneries, c'est qu'une égratignure. On va détruire ce lanceur, j'essaierai de... Non, tu restes dans la caisse. Je suis désolé là, mais tu ferais que me ralentir. Mais putain, V! Oh, c'est ma famille qui se trouve Écoute, là-bas! Je vais juste détruire ce lanceur. Je te préviens dès que c'est fait. Tu viendras m'aider pour le reste, d'accord? Oui, chef. J'ai toujours le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Bonne idée. On y va. Ils vont le regretter.
La route est dégagée. Je vais vous sauver. La porte. Je te couvre. Vas-y. Allez, reculez. Reculez. Et jetez vos armes ou je tire. Je vous dis de jeter vos armes. Eh, hey, du calme. Maintenant. Il est pas trop tard. Encore tous s'en tirer en vie. Appelez des renforts. Mon cul. Dernière chance. T'es pas obligé de crever là. On peut parler. Pourquoi je vous croirais, madame? Bute-le. Ta gueule. Écoute, j'ai rien contre toi. Lâche-le et dis-moi où se trouve ton passager. Je sais pas où ils l'ont emmené. Mon cul, ouais. Il ment. Tu sais pas ou tu veux pas nous le dire? Laissez-moi réparer la radio. Je contacterai l'unité. On pourra parler. Madame, mais seulement si. Mais ferme tu ta gueule, cowboy. Putain. Madame. Putain. Oh merde. Est-ce que t'es blessé? Ouais, trois fois rien. Bande d'abrutis de merde. Touché? Vas-y, bouge pas. Je vais te soigner. C'est ça. Rien. Faut y aller. On n'a pas pu se replier, Panam. Ils se sont regroupés trop vite. Et les roquettes se sont mises à pleuvoir. Je les ai tous perdus. Tous? Scorpion, il est là? Mitch! Mitch! Il va bien. Pareil. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Non. Non. T'en es sûr? Non. Pour Scorpion, les autres. Désolé qu'on soit pas arrivé plus tôt. C'était des gens bien. Des gens super. Ils méritaient pas de mourir ici. J'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé. T'aurais pas écouté non plus. Écouter, ça a jamais été son truc. Putain, tête de mule. Oh, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la Navi. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez? Je veux le type qui était dans cette Navi. Tu sais quelque chose? T'as vu un truc? Ouais, ils l'ont emmené avec eux. Dans nos caisses. Où ça? Vers l'ouest. Une petite unité. L'escorte de ton passager. Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base. C'est vous qui leur avez balancé cet IEM, alors? Ouais, on a voulu vous prévenir, mais... pas moyen de se connecter. S'ils ont pris vos caisses, on devrait pouvoir suivre leurs traces. Panam, écoute. Je sais que ça tombe mal, mais j'ai besoin d'Hellman. Ta promesse de m'aider... ça tient toujours? Je tiens toujours parole. Mitch, je vais retrouver ces fils de pute. Je te le promets. Allez-y. Je vais appeler les autres. On va faire le ménage ici. On laisse ma caisse ici au cas où. Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer. On va y aller à moto. Ça marche. Kang Tao a perdu le contact avec sa Navi. Ils sont sûrement à sa recherche. Dépêchez-vous. Panam. Ouais. Tu reviendras la chercher, hein? C'est promis. Faut y aller. Avant qu'ils envoient une équipe de secours. Écoute. Pour Scorpion et les autres. Je sais ce que tu ressens. Vraiment. Je vais t'aider à régler tes comptes avec Kang Tao. Je vais les massacrer, V. Tous, jusqu'au dernier. On est dans la même galère. Et on ira jusqu'au bout. Tu sais quoi, V? T'es réglo. Tu m'as aidé avec Nash et avec Mitch. Moi, c'est clair, j'ai une dette envers toi. Ton Hellman. Je vais te le trouver. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux juste payer ta dette? Non. Les nomades aident toujours. Oh, parce que je suis un des vôtres maintenant? C'est cool. Allez, en route. J'espère qu'ils sont pas allés loin. On verra bien. Les traces de pneus commencent là. On va les suivre.
sont passés par là. Doucement. Faut pas qu'ils nous voient. Ok, y a plus qu'à suivre les traces. Laissez quelques gars à la piste. Les autres sont partis avec Hellman. J'aurais fait pareil. Ils veulent contacter leur base. Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans renfort. J'espère que Mitch a contacté les Aldecaldos. Putain d'interférence. Ils vont aller l'aider, t'en fais pas. Tu sais quoi? Quoi? C'est le résumé de ma vie, ça. Je me sors d'une merde juste pour me fourrer dans une merde encore plus grosse. Voilà. Et évidemment, j'entraîne tout le monde avec moi. Tu sais quoi? J'en ai ras-le-bol, fait. Si je merde encore, t'as intérêt à me dérouiller le cul à coups de pompe. Mais t'as pas merdé? Ces traces mènent à une ancienne station-service après la colline. Je parie que c'est là qu'ils retiennent Hellman. Ok, je te couvre. Ok, je te couvre.
Ils vont pas se débarrasser de nous comme ça! Des drones, des patrouilles. Ils sont bien là. Je vois. Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Hé, hey, tu vois ça, V? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Des caisses de nomades. Je les reconnais. Elles sont au clan. Quand je t'aurai tué, j'irai pisser sur ta tombe. Soldats tués au combat!
centre. Ici? C'est ma station. Je m'appelle Marty. Ces putains de costards ont débarqué. Comme s'ils étaient chez eux. Ils ont tout pris. Et ils m'ont enfermé ici. Vous avez pas l'air trop inquiet? C'est pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai plus qu'à m'épousseter et à me remettre au boulot. Vous avez pas l'air trop inquiet? Pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai plus qu'à m'épousseter et à me remettre au boulot. Sors de là! Ils ont emmené un homme, un civil. J'ai besoin de lui. Vous l'avez forcément vu. Je suis pas bigleux. Où est-ce qu'ils le gardent? Le vieux garage. Ils ont dû le mettre dans la pièce, à l'étage. Merci. À votre place, je reste... On verra une autre fois. J'engage le combat! Qui vous envoie? Hé, du calme. Faut qu'on cause. De qui? Yorinobu Arasaka? Vous êtes là pour me ramener ou... Mais quelle couille molle. Dans deux secondes, il va se mettre à crier ou à courir. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Ben, t'es fan, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka. Ça a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quand t'aurais Hellman. Une seconde, c'est bon, je l'appelle. N'oublie pas que tu tiens Hellman et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie, t'as oublié? Parce que c'était dans son putain d'intérêt, tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Takemura, bonne nouvelle, j'ai Hellman. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est en vie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Entendu. Au revoir. Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer. T'as raison. Aucun doute. Emmène-le dehors. Fous-le sur la moto. Bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques sales décaldos. RAS,
Personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? C'est une longue histoire. Je sais même pas par où commencer. Une autre fois, alors. Saul. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi, si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais il... Je peux faire quelque chose, me rendre-t-il? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi. Montre que t'en as rien à foutre. C'est tout ce que tu sais faire, hein. Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention, je suis pas ton pote, d'accord? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute. C'est moi qui ai fait tomber cette navie. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Bordel de merde! Eh, fais pas attention à Saul. Ça lui passera. J'en ai rien à foutre de lui. Ouais, mais lui, Panam, il s'en fout pas de toi. Dès qu'il a su ce qui s'était passé, il nous a ordonné de vous suivre. Parce qu'il avait peur qu'il t'arrive quelque chose. C'était son... Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille? Arrête. Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Ouais, je comprends. Désolée que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Ah, très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok? Bon, ben voilà. On se dit à plus. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. À plus. Prends soin de la moto de Scorpion. Elle est à toi, maintenant. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, je suis désolé que le son n'ait pas marché, je m'en suis rendu compte bien trop tard, mais c'est ma faute, je suis désolé, voilà, j'espère que vous avez quand même pu profiter de cet épisode, même s'il n'y avait pas mes commentaires, c'est peut-être mieux parfois même, on sait pas. Bon bah en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, pensez bien à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et la suite des aventures sur Cyberpunk 2077, ciao les amis.